Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui est qui regarde la vidéo, ça non pas moi, c'est Élisée Jalon. Moi, salut chaque ami, nous qui pourrons regarder la vidéo, ça. Bon Dieu béni, bon Dieu fait nos grâces. Je dis à nous, voulons parler sur ça qui est la fidélité. Fidélité, c'est un bagage qui est extrêmement important. Là où fidèle, mais ou pas qu'à sortir honte. Mais là où pas fidèle, eh bien, même avec moi, nous sommes sur la même table. Laissez-moi expliquer l'histoire ça. C'était un grand entrepreneur qui arrivait dans un moment côté qu'il sentit la force qui commençait à affaiblir. Il y a 5 employés qui travaillent ensemble avec lui. Il dit, bon, dans 5 employés, je choisis un qui pour gérer l'entreprise pour moi. Mais on connaît, avant le bail, et il y a un monsieur responsable d'entreprise là, il dit, moi j'ai un bagage que moi voulais et fait. Il passe monsieur un test. Alors il prend 5 bocaux. Dans chaque bocal, il mettait un grain de maïs. Il dit monsieur, mais grain de maïs ça, mais bocal ça, dans chaque point un bocal. Nous parlons là nous ensemble avec lui après une semaine, on a porté résultat bon. Vraiment, vous tout monsieur pour un bocal là, il y a là qui est ensemble avec le bocal. Et puis, il a planté ça dans le bocal là. Et il y a un monsieur qui était les gens qui étaient parmi monsieur. Jean lui-même, il prend un bocal, il prend un grain de maïs, il plante. Chaque matin, levé, la louse. Et bien, ce troisième jour, la visite, la regarde, le grain n'a pas levé. Il dit ça, c'est comme ça, elle relève madame. Il dit, chérie, il n'y a pas moins grain pas n'a pas levé. Mais, le regarde, le monsieur, l'autre monsieur qui t'a travaillé même vous ensemble avec lui, monsieur, grain n'a pas levé, mais lui-même, le grain n'a pas levé. Mais pas qu'on est dans quelles conditions, grain pas monsieur levé. Monsieur, vous allez. Bah on est qui côté yo aller yo acheter maïs yo planter mais les mêmes messieurs gens les kembe principe les kembe yo honnêteté que ça au te balia c'est les mêmes le veut pour lever mais quatrième jour passé il s'est posé ben grain pas la pas jamais levé madame regarde monsieur madame dit bon chéri ça passé qui fait pour la pas lever mais tout pas monsieur lever mais ça n'a fait pour aller dans marché on va acheter un maïs et puis n'a pas grand dans planter et puis la lever pour la présenter. Je dis non mais pas la donne ça qui est au bon moyen ne pas lever m'a pas arrêté m'a dit qu'elle pas lever un point c'est tout. Ouais semaine arrivée tout le monde a présenté madame s'est dit qu'on ça chérie ou pas besoin aller non. Et parce que Paul n'a pas levé, mais tout monsieur Oda t'a présenté ensemble avec Plantion Améo et ou même ou pas présenté. Il dit non, ou pas besoin d'aller. Aller là, c'est pour grand merci. Pour qui ça oblige à aller? Monsieur a dit oui, m'a présenté. Parce que semaine ça, une semaine était bon, une semaine d'arrivée, m'a présenté. Vraiment vrai, il présenté. Et tout monsieur présenté avec Plantion Améo, Plantion bien frais, bien vêtement Améo. Et puis, il y a des gens qui sont tout net après Jean. Il y a fait signe sous Jean. Mais Jean était avec un esprit bien disposé. Et puis, mettre entreprise là, rentrer. Et puis, il regarde tout monsieur. Il regarde le seul Jean seulement pas avec plante main. Il dit, oh, Jean, ça te passe, mais tout monsieur est net ensemble avec plante dans la main. Et ou même ou pas gagné dans mon. Comment ça, ça te passe, Jean? Et puis, Jean dit, bon. Bah qu'on est ça qui passé ça que vous êtes bon moyen moi essayer planter et moi oser il pas jamais lever par contre qui ça qui passé qui fait pas lever même fait tout ça qui dépend de moi pour ta lever mais moi le pas lever et puis monsieur a regardé et puis le fait il font petit machin dedans et puis il regarde tout monsieur il dit OK et puis il frappe deux gens dit Jean tranquille. Et puis, pendant la parler comme ça, et puis, il est arrivé côté monsieur. Il dit, monsieur, comment plante non fait lever, et puis, pas Jean pas lever?
Monsieur dit oui, ou te bon, nous pouvons planter, nous ouzel. Et puis, il levé. Eh bien, il dit, eh bien, ok. Eh bien, plante moi que moi te bon, c'était un maïs, que moi te bouilli. Eh bien, moi te mette dans chaque bocal. Depuis jeudi, agent, ou même cap diriger entreprise là. Et puis, il regarde l'autre 4 monsieur, il dit, monsieur, mettez-nous de yon. De mettre l'autre monsieur dehors. Ça veut dire que la fidélité, c'est un bagage qui est extrêmement important. Là où il y a une fidélité, ben on pas qu'à sortir. Et ça fait, dans Luc chapitre 16, ben, côté que vous avez écrit pour dire, depuis que vous êtes fidèle dans petit bagage, ben, vous êtes fidèle dans gros bagage, tout. Mais depuis que vous n'êtes pas fidèle dans petit bagage, vous n'êtes pas qu'à fidèle. Nan gros bagay. Ça veut dire, eh ben Jean, t'es fidèle nan ti bagay, eh ben kounya al vin genyen gros entreprise sa ke l'ap dirije. Ou même baronne ki sa paraît devant et ki ta pou fè ou et troublé ou bien ki ta pou fè ou perdi fidélité ou m'ap di ou pa bezwen enkete ou kembe fidélité ou et debout kembe fidélité ou pa ka soti honte, ou pa ka soti honte quand ta pou honte l'ap pa Jean mont avec fidélité. Mais là ou pas fidèle, eh ben c'est vous-même. Et monde qui pas fidèle là, c'est lui-même qui gagne pour le monde. Moi, je souhaite que bon Dieu capable bénir nous, que bon Dieu capable faire nos